Hey, salut tout le monde, c'est Diablo et on se retrouve pour l'épisode 10, sorti en 2015. Aujourd'hui j'ai sorti la Mitsubishi Evo MR et je l'ai un peu pimpé, hein, voilà, donc elle est pas de base. Ah, il y a Robin qui m'appelle. Salut l'artiste. Si tu m'as pas reconnu, c'est fini entre nous. Bon, sérieux, on peut compter sur toi? Ouais. Ça serait cool. A plus alors. Non, bah, ouais, bon, voilà, j'ai fait 2-3 petites motifs visuels. J'ai modifié les ronds. Après en peinture, voilà, je me suis un peu lâché, c'est pas définitif hein, comme pour le reste. Alors, donc, on est parti pour se faire de la thune parce que j'ai pas mal dépensé. Déjà pour acheter des kits, enfin le pare-choc, tout ça, et puis j'ai mis le nitro. Voilà, voilà, donc on va commencer, continuer l'émission. Ouais, je pense qu'on va continuer avec Robin. On va afficher la position. Alors c'est quoi? C'est du Touguet. Bon. Ouais, surtout que je l'ai fait en grip ma bagnole, donc peut-être pas faire du Touguet. Peut-être faire du sprint avec l'autre. Spike. Ah ouais, c'est là. On va s'y téléporter hein, pour essayer de gagner un peu de temps. Ouais, et puis je pense qu'on va faire comme l'épisode précédent, on va faire des missions solo, puis aussi quelques missions, enfin quelques courses annexes, histoire de prendre pas mal de thunes. Et après je ferai peut-être un épisode hors série comme j'avais fait pour l'exploration, mais là pour le multijoueur avec les speedies pour gagner pas mal de thunes. Voilà voilà, alors c'est parti. Esquive Express. Esquive Express. Ah, te voilà. Allez mon grand. C'est maintenant. C'est parti. Bon, j'espère que ça va être fluide quand même par rapport à la dernière fois. Ah bah super léfique. Super léfique, mais bon il faut quand même pas trop me poursuivre je pense. Ouais, je vais vraiment pas vite hein. Franchement là l'origine c'est pas la fusée hein. Faut quand même essayer de rattraper l'autre kiké là. Ah c'est Brine, c'est pas Brine. Pas Spike, donc il y a une R32 mais j'avais le fumé quand même. C'est un bot hein, c'est pas un joueur. Ouais là j'ai vraiment fait en rip hein. C'est à dire que même en tirant le frein à main ça décroche pas. Oh, bah elle est pas non plus super longue. On est au doc. Oh, simple hein. 4000, ok, nouveau record. PTDR, pas une ride dure. Putain, les messages aussi. Lolilol, PTDR, XT PTDR. MDR. Express, Esquive Express. Rena, jeu de société, tout ça. Comment c'était chaud? Moi bon, c'était chaud. Ouais. Bon. Suite à ça, bah, on va faire le contrôle à monte ici. Hein. En plus, il a le petit symbole AR, ça veut dire que c'est un. Bah, je dois battre Elea Wolf pour gagner un bonus de thune, je pense. Ça doit être ça, ça doit être. Les challenges suggérés. La speed list, je sais pas trop quoi là. Si je peux me faire de la thune en plus, tant mieux. Ok, il faut battre une 44.
Yo, Eléa, c'était pas une de chez Descartes. Si, si, c'est ça. Salut vos îles. À vos îles. Pas de S. Bon, pour l'instant c'est pas fun hein. Là, je fais juste un time attack histoire d'avoir un peu de thunes. Bon, on va essayer de voir si on peut pas rejoindre des courses de, d'autres joueurs. Vu que c'est full connecté, croiser des joueurs, des vrais joueurs, qui font eux aussi leur solo à côté. Donc. En train de travailler de ouf pour sur le studio là, vu que tu voulais lancer un live dimanche, je crois sur Zoku, c'est ça? Si t'es chaud, on peut commencer le display le dimanche. Moi je suis chaud hein. Bon, 1.39, voilà. Juste la bagnole est de base, hein. C'est vraiment... voilà, on gagne 2000 de plus. 4000 plus 4000. Faites le calcul, ça fait 8000. Et bon, il va nous falloir pas mal de thunes pour essayer de monter à fond la bagnole. Bah c'est pas encore sûr pour dimanche, ok, bah c'est toi qui vois. Ensuite on a un départ arrêté, je sais pas. J'ai jamais essayé de faire, on va le faire aussi. De toute façon voilà. On fait un peu de solo mais on sait aussi, on fait aussi de la course. Histoire de. Ok, 3, 2, 1, go. Ah, c'est comme dans Burnout, c'est-à-dire qu'on part d'une route et on fait plus vite, plus tracé le plus vite possible. Sachant que là, la voiture c'est pas fait pour drift. Et plus vite, bah, ah, mais ça traîne. C'est bon, je pense pas que c'est avec ça que je vais aller battre le record. Voir si j'aurais tout fini, j'arrive là, je peux quand même faire, etc. Ok. Ok, ok, merci. Bon, on va continuer l'émission du coup. On un peu. Ah bah, il m'a pas appelé l'autre. Si. Des chauds, nanana. J'ai un peu. Non, Amy, je crois que c'était de la Gymkhana. Ouais. On va être obligé de faire une drift, hein. Une bagnole de drift, parce que là pour l'instant, après ça c'est quoi? Jeune loup, pensez aux concurrents sur une course sur circuit, bon on va faire ça. Si c'est pour des trucs des courses de Eddy, donc c'est plus difficile apparemment du jeu. Mais bon, on va faire ça avec la Mitsubishi de base, hein, tant pis. Hein. Si je finis pas premier, moi j'aurai un peu de thunes, de l'XP. Comme ça après on la booste un peu, au pire je la repasse en drift ou alors je prends la Mustang. Puis on va faire le Gymkhana, tout ce qui est drift. Parce qu'on va faire ça. Alors, on fait cette course là. On fait ça en moyen. Et Eddy Eddy Challenge 1. Eddy hein, pour ceux qui ne savent pas. Le Eddy Challenge commence. Eddy est justement à mes côtés en ce moment. Bienvenue Eddy. Merci. Alors, première course, premier pilote. Ça t'inspire? Et ils sont cués. Confiant donc, c'est ça? Ouais. Et ils sont morts. C'est Eddy, fidèle à lui-même. Il parle peu, mais il cause juste. Eh bien, bonne chance alors. Ah, mais ça tourne pas du tout en fait. Hein. Je crois que le grip est plus handicapant que le drift hein, sur 60 mètres. Sa voiture tourne pas du tout en fait. Que ce soit avec la BRZ de l'autre fois. Avec celle-ci, hein. Faut rester en drift. Hein. En pneu drift. Enfin, en pneu grip, mais mettre du drift. Hein. En réglage, tout là. Si je n'utilise pas le frein à main, ça tourne pas quoi.
s'il est planté là. Je sais pas s'il fait la course lui. Mais... oui, troisième. BM, on va pouvoir la déplacer. BM, ça. Hudson. Hein. J'ai des petits ralentissements par moment. Bon, ouais, je vais pas pouvoir faire grand chose avec la bagnole de base. Hein. Peut-être essayer de tenter de grappiller le troisième, et sinon les deux devant sont un peu à part. Ah, ce sont... ouais, non, je me traîne. Je me traîne trop. Bon, je sais pas si en 4e position je gagne la thune. Mais... terminé. Ouais, bah c'est pas avec cet argent là que je vais aller loin, 750$. Pas en XP, on doit pas avoir grand chose. Bon, c'était pas la bonne idée, tant pis, on va vérifier en plus. Il reste des places à prendre, ne manquez pas l'occasion, venez compléter la course. Et ok, bon. Les filles qui sont en train de chercher un peu la chargeur. Chargeur, ce fight, tant mieux. Ah bah, ils veulent m'arrêter maintenant. On va leur échapper assez vite. Bon, puis on va passer dans le garage. Pas trop le choix là. Hop. Donc on va switcher de bagnole, celle-ci on va la juste mettre l'argent qu'il faut dans les nouvelles améliorations. On va pas la toucher pour l'instant. En termes de réglage, on va juste la booster. Donc âge. Cutter. Cutter. Bon, voilà, déjà un peu plus fast. And Furious, bon, on va prendre la Mustang du coup. Et on va faire les épreuves de drift, de gymkhana, tout ça. Je crois que ouais, celle de Manu, j'ai dû faire deuxième, troisième position, j'ai pas fait gaffe la dernière fois, donc c'est pour ça que je m'appelle plus, c'est que j'ai pas rempli la mission. On va la refaire. Hey yo! Au programme, on a des courses sur autoroute. Alors choisis bien ta caisse et tu la prépares comme il faut, ok? Je te rappelle dès qu'ils auront fixé une date. A plus! Ok, ok, bon. Je savais que tu viendrais. Allez, c'est parti. Allez, on va essayer de faire un bon score. Ah, pourtant, 300 000, je pense les avoir battus la fois. Pas comme ça. Vu si c'est fail. Est-ce qu'il se calque bien sur la conduite des joueurs, les gars. Ah
déjà j'ai fait l'objectif de virage. Spécial quand même, j'ai déjà dit, mais c'est pas évident. C'est bizarre comment ça réagit. C'est chaud. On va faire plus tard. Là, si je fais des défis comme ça, pas ça paye grand chose. Bon, on va faire quand même une dernière course, comme ça on clôturera le premier épisode. Tiens, tu veux me balader, il faut qu'on trouve des collectibles, notamment des pièces. On va faire le sprint là. Comme un panda. On l'a déjà fait l'autre fois aussi, mais bon. 15 000 points pour le drift. Bon. Simple ça. Donc là pour l'instant les scores sont assez simples. Bon. Là, c'est marqué course facile. Donc. Je vais tout lire. Voilà, après les virages ils sont assez courts. Le virage est... La route est trop petite par rapport à la ville.
bon, je fais un truc de merde, mais j'arrive quand même à dépasser le score. Je sais pas combien j'ai gagné, j'ai pas vu. On doit être pas loin des 2000, un truc comme ça, non? Puis on va aussi refaire les missions. En fait, ouais, ce qui a marqué en flèche verte, en fait, c'est les missions que j'ai déjà faites et que j'ai pas validées, quoi. Alors, je sais qu'ici, je mettais fail. Quel plus gros, ouais, parce que j'avais pas vu que c'était du drift, en fait. Je pensais que c'était une course. À la fin, bah, j'avais pas le score nécessaire. Enfin, j'avais fini premier, mais j'avais pas les 35 000 points. On va la refaire. Yo, can I join? Ouais, tu peux rejoindre, Razor, y'a pas de problème. Donc, j'ai juste voilà, fini cette course, fini l'épisode, et après j'en refais un. Tu pourras nous rejoindre. Ça fume là. De lag là. Ouais, je vais pas faire mes erreurs cette fois. Oula, c'est ça calme là. Que ça se voit pas sur la rediff, ça rame. Ça pue. Oh, putain. J'avais fait un bon truc là. Allez, mais c'est pas possible. Trois virages que je fais là et que je tape comme un con. Défoncer la S2, on a pu passer, ben non. Ouais, nouveau record personnel. Là, j'ai clairement fait le taf, je pense. Voilà. Bon, sur ce, mes amis, on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 9. 8, je crois que c'est 8 ou 9, je sais plus. On a tellement. Bon, on va s'arrêter là, moi je vous dis à la prochaine, c'était Diablo, ciao.